Bonjour à tous. Alors, je vais avoir des petites choses à vous montrer aujourd'hui et d'autres à vous raconter. Je commence cette journée, donc là le matin en ce moment c'est consacré à fond. Si j'arrive, je veux vlogger, donc c'est coup de téléphone et tout, mon projet box. Et l'après-midi, enfin en général là il est quoi? Il est 13h14, je vais déjà manger, hein, ça sera pas mal. Et après je vous montre le fameux cadre que je veux mettre pour cacher les tetous. Bon, pendant que mon plat chauffe, il s'agit de ce cadre. Donc c'est une composition, hein. ça n'a pas été acheté comme ça, les illustrations ont été rajoutées. Je lui mets un petit coup quand même, je vais le nettoyer. Au niveau de la dimension, c'est parfait pour camoufler les deux trous, vous allez voir. Et je pense que ça peut être très joli. Je vais utiliser le double face là, autocollant, parce que ça va jusqu'à 4,5 kg si tu mets 4 adhésifs, sachant que ça fait quoi 800 grammes, donc normalement, c'est bon quoi. Et ouais, bah, je vous montre aussi ce que j'ai acheté. Il s'agit juste d'un chargeur, mais je trouve ça hyper pratique. Moi, je galère tout le temps, je pense pas le charger. Voilà, hop, tout de suite c'est fait. Moi, c'est pour Samsung, mais ça s'adapte. Enfin, il faut prendre en fonction de la marque de son portable. Il y avait en plus grand, mais il était à 99 pour mettre deux portables. C'est ça, et ça charge très vite. Et alors, je l'ai payé, hein, c'est pas un partenariat. Et ça reste en plus assez joli, je trouve. Tu peux le mettre partout. Là, je l'ai mis là, mais je changerai de place. Je pense que je le mettrai dans mon bureau. Ce midi, ça va être blanquette tagliatelle avec champignons. Très bon. Alors, je vous reprends. Il est déjà 3h30. Et je ne pouvais pas avant parce qu'il y a eu des... Je pense que ce sont des gens de la ville qui ont commencé à bosser tout autour, dans la rue, sur les bordures, pour enlever, je pense, toutes les feuilles et tout, mais avec un appareil qui fait beaucoup de bruit. Donc, je me suis... C'est tombé. Il y a 3h, non, 4h, il est 3h30, j'ai un rendez-vous en visio, d'où la petite veste, pour leur soumettre mon projet, pour que m'orientent peut-être, qu'ils me disent ce qui va pas, ce qu'on peut changer. Moi, je vais pouvoir leur poser toutes les questions que j'ai à leur poser, parce qu'il m'en reste encore pas mal. Et, ah oui, il y avait un truc que je voulais vous dire, c'était, c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Ce matin, j'ai reçu une proposition de partenariat, des fois je vous le dis, hein. Mais alors là, j'ai trouvé ça drôle, c'est pour un appareil pour muscler les fesses. Bon, jusque là, pourquoi pas. Et en fait, il me demandait de faire une photo de mes fesses avec l'appareil. Mais ça ne sera pas une photo qui sera mise en public. C'est juste pour voir la qualité des photos, bien sûr. Alors, ils te mettent que c'est rémunéré. Mais ils te disent bien que ça sera rémunéré juste après. Là, on se fait juste une petite photo. Évidemment, donc, vous pensez bien que je n'ai pas répondu. Mais voilà, c'est le genre de partenariat qu'on peut recevoir. Évidemment, hein, la plupart du temps, c'est quand même assez correct. Même si, alors, il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont dit, et c'est étonnant, hein, qui m'ont dit, mais Caro, pourquoi tu fais pas plus de partenariats? D'habitude, c'est l'inverse. On se plaint qu'il y ait trop de placements de produits et tout. Très honnêtement, si vous me suivez sur Insta, j'en fais très rarement. Très rarement. Et sur YouTube, franchement, il n'y en a pas des masses. C'est vrai que je pourrais en faire plus. Je pourrais accepter plein de choses qui sont même payées. Mais je vous avais déjà dit qu'il faut que ça... correspondent. Voilà, il faut que ça me convienne un minimum quand même, et il y a des choses que je n'accepte pas de faire. Et surtout, aujourd'hui, recevoir gratuitement les choses sans être payé, c'est pas possible, parce que c'est YouTube, c'est un travail. Donc quand tu vas au travail, on te rémunère pas en t'offrant une serviette de bain ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est un petit peu... Alors bien évidemment, quand il s'agit d'une marque et que ça va être vraiment quelque chose qui a un coût ou qui vraiment vaut le coup, ou que j'ai un coup de cœur, je vais accepter sans avoir de rémunération. Mais en général, voilà, bah, ils me proposent un partenariat. En retour, je leur dis très bien, quand vraiment ça m'intéresse. Par contre, voilà mes tarifs. Ah oui, c'est un petit peu normal. Bref, je parle, mais il faut que j'installe tout. Et je crois qu'il y a un truc de collé. Je dois avoir... J'ai fait des bisous à Jack et j'ai mis du gloss. C'est pas très compatible et du coup, ça me gêne. Donc, je vais l'enlever avant la visio. Je vais me mettre ici de façon à ce que j'ai quand même l'ordi sous les yeux, c'est plus pratique. La lumière est pas top, mais j'ai pas envie de mettre les projos. Une heure, ça va être un peu... ouais, non, ça va être trop avec les projos. Donc c'est très bien. Ah si, attends. 15h37, ça va. Mais parce que ça vaut vraiment le coup de vous raconter ça aussi. Ce qui s'est passé tout à l'heure, j'appelle Eric. Donc il est au lycée. Et comme je vous ai dit, de temps en temps, il donne des cours à distance, en visio, je ne sais pas s'il utilise Zoom ou quoi. Donc, les élèves le voient, l'entendent. Et en fait, moi, je l'ai appelé pour lui donner une petite info concernant
une marque, et vous savez qu'il a une montre qui est connectée. Il l'a eu à Noël, Noël ou son anniversaire, je ne sais plus. Et il l'utilise énormément, il l'utilise pour tout, enfin pour tout et notamment le téléphone. Donc, tout le monde entend. C'est-à-dire que des fois, je parle, mais je ne sais pas, alors je fais gaffe, mais là, j'ai pas fait gaffe. C'est-à-dire qu'il répond, il faut allô, mais je crois qu'il a décroché sans vraiment faire gaffe. Et je lui fais, allô chérie, c'est moi bébé. Et là, je me rends compte, il fait, oui, je suis en direct, en merde, donc je ne sais pas si les élèves ont entendu ou pas. Après, il m'a rappelé, il m'a dit, ouais, non, je pense pas, mais c'était limite, je ne sais pas. Comme il me reste 20 minutes avant la petite réunion. Non, je ne vais pas me mettre là parce que j'ai des produits que je ne veux pas que vous voyez, enfin en tout cas encore. Je vais mettre les adhésifs. Mais franchement, je pense que je ne vais en mettre que deux parce qu'ils disent pour 4,5 kg, tu en mets 4. Pour 2,5 kg, tu en mets 2, sachant qu'il fait 800 grammes. C'est juste que je vais en mettre 4 parce que je n'ai pas tellement confiance, mais ça m'embête d'en gaspiller. Que vous voyez de plus près. Nous avons donc ce cornet. Avec explosion de pétales, ce cornet avec cactus et cette petite banane. Bon, allez, on va coller tout ça, c'est parti. Vous avez vu, il fallait clipser les deux en un. On va faire confiance au mécanisme. Ça m'a l'air pas mal au niveau de la déco, je pense que ça rendra mieux éclairé. Ça passe. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux l'enlever hein, facilement avec la languette. Et normalement, ils te disent que ça s'enlève sans trace, fixe solidement, sans abîmer les murs. Je suppose que si ça les abîme, ils te remboursent la peinture. Alors, j'ai mis mon chargeur ici, c'est beaucoup plus pratique, hein, vous voyez pas. Attends, je l'ai mis juste ici. C'est quand même mieux, comme ça je vois vraiment plutôt que de descendre tout le temps. C'est imminent, 15h58, en plus à chaque fois c'est à l'heure, ce genre de petite réunion, calculatrice. Je crois que j'ai jamais autant utilisé la calculatrice que depuis quelques semaines. Bon, 45 minutes que j'attends, je comprends pas. J'ai envoyé un message, ça ne répond pas, et j'ai mon Jackie qui en peut plus. Bon, bah, je vais te donner ton petit goûter, et puis on va se considérer comme définitivement perdu. Putain, je suis deg, j'étais à fond dedans. Bon, allez. Enfin bon, c'est le genre de truc qui repousse et ça repousse. Et ça repousse pas qu'une chose, ça repousse plein de trucs. Avec tout ça, j'ai faim. Je vais me faire un petit goûter. Et je vous montre, j'ai rajouté un élément et je crois que j'ai une idée. Attendez, je me rapproche. Ouais, voilà, donc j'ai mis une petite fleur et en fait, je crois que je vais bomber. C'est le tout blanc qui me gêne. Je vais peut-être bomber avec autre chose. Tiens, bébé, t'en penses quoi? Je suis contre. Non, mais t'as pas regardé. Bah non, mais de quoi? Là, le mur. Ah oui, très bien. Ah ouais, t'aimes bien? Et je trouve qu'il contraste, j'aurais bien bombé, fait de la bombe tout le blanc en fait. Ah, non, quelque chose d'un peu plus foncé. Non, ça va, faut pas non plus que ça devienne. Ça devienne quoi? Ça devienne trop. Ben justement, ça serait moins. Bref, je mange ma tartine pour me remettre mes émotions. Oh, mange ta tartine pour s'enlever toutes ses émotions. Bah, tiens, je vais me remettre aussi de mes émotions. Bon, eh bien, j'ai eu des nouvelles, elle était désolée, il y a eu un bug sur l'enregistrement du rendez-vous. Peut-être qu'il y a un truc qui n'a pas été validé, bon, bref, c'est pas grave. C'est reporté à demain 16h, ça va, parce que j'avais peur que ce soit genre reporté dans une semaine ou 10 jours, donc là, c'est bien. Qui a mal aux yeux quand il fait trop d'ordi, lève la main. Oh, je suis désolée du bruit, on va se mettre là, le frigo. Oui, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, à un moment donné, quand j'ai fait trop d'ordi dans la journée... J'ai la nausée. Et c'est net. Hein. Pareil, on sait très bien de les écrans, c'est vrai, on le répète, il faut les couper avant de te coucher, blablabla. Mais c'est vrai. Moi, je vois la différence quand je vais au lit et que jusqu'au moment d'éteindre, je suis sur mon téléphone. Et quand je bouquine pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avant de m'endormir, bah, je dors vachement mieux. C'est net, mais c'est vraiment très, très net. Ah, je bavarde, mais il faut peut-être que j'aille faire à manger les 7h30 ou 40. Avec ces jours qui rallongent, j'ai plus la notion. Plus du tout. Et ses cheveux, tiens, faut que j'appelle. Je sais pas si tu regardes mes vlogs, mais je vais bientôt t'appeler. On vient de manger et. Est-ce que tu veux faire un test allumé? Non, non, ça, je sais pas, c'est peut-être en bougeant les choses. Ouais, et bah, bien, bien, bien. Je vais allumer ta petite lumière aussi, mon Jackie. Voilà. Et bah, vous savez ce qu'on regarde? On regarde une série qui date d'il y a 20 ans.
24 heures avec Jack Bauer. Je n'avais jamais vu Eric Oui. Il m'a dit, écoute, regarde le truc. Et bah, étonnamment, ça date d'il y a 20 ans, comme je vous dis. Ça vieillit très bien. Et là, on va y retourner. Oui. Ma forêt noire. J'en peux plus d'elle. Trop bonne. Du coup, c'est le lendemain. Eric vient de partir. Il avait cours à 8 heures. Il est en vacances tout à l'heure, d'ailleurs. Enfin, à 11 heures. Je me suis réveillée, mais hyper tôt, je crois, en même temps que les éboueurs. Donc, je les entendais. Il devait être 5h30, un truc comme ça, ou 6h, je sais plus. Et bah, du coup, j'arrivais plus à m'endormir. Je tournais, je réfléchissais à plein de trucs. Je me suis dit, bah, vas-y, lève-toi. Et moi, je suis hyper productive le matin. J'adore bosser le matin. C'est vrai qu'à partir de 18h, en général, j'y arrive plus. Et bah là, j'ai fait plein de petits trucs cool. Donc ça, c'est bien. Cet après-midi, bah, du coup, le call. Et ce matin, j'ai plein de rendez-vous encore. Parce que les choses s'accélèrent. Alors, il y a un truc qui est drôle. Enfin, qui est drôle. C'est un petit peu fatigant émotionnellement. C'est que, vu que tu as 15 millions de choses à faire quand tu crées quelque chose comme ça. Par exemple, hier, journée type. Une nouvelle. Donc, j'ai une bonne nouvelle. Quelque chose qui fait, ah, enfin, ça se... Voilà. Et derrière, t'as un autre truc qui bloque. Et ça n'a été que ça hier. Je vous en parle pas plus que ça parce que c'est pénible, mais vraiment, c'est en plus très administratif, mais des trucs qui font que sans ça, tu peux pas. Ou alors c'est... Enfin, bref, c'était pénible, pénible. Résultat, j'ai encore deux choses ce matin à gérer. C'est des questions genre au niveau de l'URSSAF, de ton CIRED, vous voyez, les trucs bien pénibles. Et c'est très compliqué d'avoir les personnes, les bonnes personnes, et d'avoir des réponses, surtout rapidement. Voilà, je vous ai un petit peu saoulé avec tout ça. Ah non, 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 Jack, arrête la chaise. Regardez, le cadre a tenu le coup, ça c'est bien. Jack, arrête. J'arrête maintenant ce petit vlog, je vous fais un gros bisou et on se retrouve très vite pour la suite des aventures qui avancent bien pour le coup quand même. Je vous fais un gros bisou, salut, ciao.